Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va ouvrir un petit booster magique cicatrice de Mirondin. Donc, on va avoir peut-être des artefacts sympas. C'est vraiment une édition que j'aime bien. C'est vraiment une édition sympa. On va voir ce qu'on va avoir cette fois-ci. Un planeur claque-voile, petit artefact art et métaux, il peut devenir une 4-4 si on possède 3 artefacts au moins. Un enjambé mer plaque, pour 2, une 1-4, ouais, c'est pas trop mal. Assaut stroboscopique, c'est un rituel qui permet de donner la double unité à une créature ciblée. Putrescence de relique, un enchant artefact, ce qui est plutôt rare. Quand l'artefact devient engagé, son contrôleur gagne un marqueur poison. C'est pas mal. Garde-ciel de Kemba, qui nous donne 2 points de vie. Une 2 de vol. Reproduction Sylveok. D'accord, qui permet de détruire un artefact ou un enchantement. C'est plutôt pratique. Éclaireur de récupération. Permet de renvoyer un artefact du cimetière dans votre main. Une fonderie de golem, alors ça c'est pas mal. Soit vous lancez un sort d'artefact, vous mettez un marqueur charge, vous enlevez 3 marqueurs charge de la fonderie du golem, vous mettez un 3-3 golem artefact incolore. Ce qui est plutôt pas mal. Bête moisie. Bon, on la connaît celle-là. Reproduction Morioc. Piochez deux cartes et vous perdez 2 points de vie quand vous la sacrifiez. C'est plutôt bien. Petit guerrier artefact. Ah les Unco. Alors, forgeron d'énigmes. Pour 2, une 2-1, humain et artificier. À chaque fois que vous lancez un sort d'artefact, vous piochez une carte. Si vous faites ainsi, vous défaussez d'une carte. Bon. Une petite pioche. Oh là, je fais trembler un peu le bazar. Une araignée à toile acide. 3-5 portée pour 5. Qui permet de détruire un équipement ciblé. C'est plutôt intéressant. Un petit peu de pet équipement. C'est que les équipements. Ouais. Ah, ça j'aime bien ça. Petite sentinelle de sombre acier pour 6. Une 3-3 indestructible vigilance flash. Que c'est un bon petit rempart. Bon, elle coûte un peu cher, mais elle peut être utile. Elle peut être utile. Et la rare, un terrain allié à l'orée des rasoirs. Ça, c'est le genre de terrain que j'aime bien en fait, qui n'arrive pas à engager si vous contrôlez au moins 2 autres terrains. Qui peut être dans un deck multicolore d'ailleurs, c'est un peu l'intérêt. C'est vraiment sympa. Même dans un deck 4-5 couleurs, il peut être utile. Bon, ça fait toujours plaisir, un petit terrain rare. Ça fait toujours un de plus. Un jeton insecte, infection. Ah, il est sympa celui-ci. Et une île. Bon, si on reprend un petit terrain rare bien sympathique, vert ou blanc, qui n'arrive pas à engager si vous possédez 2 terrains au moins. Et sinon, on a cette petite unco sympa qui est indestructible. Merci à tous.